partage pleinement. Je voudrais dire que à Gennevilliers, avec notamment l'ensemble des élus municipaux et qui sont nombreux aujourd'hui, nous avons procédé à des parrainages et nous continuerons à procéder à des parrainages comme moyen de défense, de protection, mais aussi d'aide pour l'accès aux droits. Et que à chacun des parrainages que nous avons organisés, j'ai lu ce très beau poème de Nazim Hikmet, en tous les cas que moi j'aime beaucoup, et que je voudrais dédier aujourd'hui à tous les parrainés, à tous les parrains et amis marraines, et à tous ceux qui luttent pour le droit de l'ensemble de nos concitoyens qui vivent en France, quelle que soit leur nationalité. Ce poème de Nazim Hikmet s'appelle « Offrons le globe aux enfants ». Offrons le globe aux enfants, au moins pour une journée. Donnons-le leur afin qu'ils en jouent comme d'un ballon multicolore, pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles. Offrons le globe aux enfants. Donnons-le leur comme une pomme énorme, comme une boule de pain toute chaude, qu'une journée au moins ils puissent manger à leur faim. Offrons le globe aux enfants, qu'une journée au moins le globe apprenne la camaraderie. Les enfants prendront de nos mains le globe, ils y planteront des arbres immortels. Voilà ce très beau texte de Nazim Hikmet. Voilà. Donc, je vais poser les questions importantes qui engagent chacun. D'abord, je vais demander à Monsieur Reyes Rosario Ricci, acceptez-vous d'être parrainé, plutôt marrainé, non, parrainé, par Joël Mutis, ici présente à vos côtés. Oui. Joël Mutis, acceptez-vous de parrainer Monsieur Reyes Rosario Ricci, ici présent à vos côtés? Oui. Merci. Je vous félicite pour tous les deux pour cette action citoyenne et qui vous permettra de continuer ce combat avec nous tous.